bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste après la petite thématique. A tout de suite. Precision. The quality of being precise. Perfect. Exact. Begin. Check everything. Start boarding. Stop boarding. On the signal and depart. Reach that speed. Maintain. The tunnel. Pitch black. Electric dark. A speck of light, then out. Daylight, right on time. Then the signal. Reduce speed. Apply brake, not too much. Platform in sight. Everything set. Controlled approach. Speed just right. And stop. Perfect so far. One down. 37 to go. Stop boarding. Stop boarding. On the signal. And depart. TS-17. The art of precision. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte enfin de train simulateur 2017. En tout cas vraiment j'espère que vous allez bien, c'est une simulation. Alors comme vous allez pouvoir la petite cinématique, pardon je parle un petit peu trop vite, la petite cinématique qui était juste avant a complètement bugué. Alors je ne sais pas pourquoi, apparemment ça viendrait de la vidéo en elle-même, ça viendrait pas du tout de mon PC, parce que apparemment même sur les PC gamers la vidéo bug. Donc écoutez, ça vient du développeur, donc il va falloir qu'il corrige ça, parce que cette vidéo là elle bug complètement. Voilà, bref, on s'en fout, on est là pour découvrir aujourd'hui Train Simulator 2017, donc enfin sorti début septembre. Donc je suis un petit peu en retard, hein. C'est vrai que ça fait très longtemps en plus que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'étais pas mal occupé, enfin j'étais très occupé même, donc j'ai pas pu faire du tout de vidéo ces derniers temps. Donc du coup j'en refais une aujourd'hui, et du coup c'est la découverte de Train Simulator 2017. Alors je sais qu'il y a plein déjà, de youtubeurs qui ont déjà fait la découverte, mais écoutez, nous on va le découvrir, parce que vu qu'on fait une série dessus, et bien voilà, on va découvrir un petit peu. Alors on va commencer tout d'abord par l'interface du jeu en elle-même. Alors comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop changé, hein, le menu n'a même pas du tout changé en fait. Ça a changé, pardon, l'arrière-plan de fond en fait, enfin oui voilà, le wallpaper de fond avec le TGV ici présent, très très joli, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça c'est un train des États-Unis il me semble, et ça c'est un train d'Allemagne, voilà, tout simplement. Donc juste le menu, enfin juste l'arrière-plan qui a changé, et également les polices un petit peu qui ont changé, et également les couleurs, regardez, c'est pas les mêmes couleurs, donc c'est un petit peu changé, c'est un petit peu plus flat on va dire, donc c'est un petit peu changé. Ici les dernières offres qui ont un petit peu changé la couleur ici en haut, enfin c'est plus la couleur et l'arrière-plan qui a changé, voilà. Autrement vraiment le menu en lui-même n'a pas vraiment changé, c'est les mêmes icônes, c'est exactement les mêmes que sur Train Simulator 2016, voilà, autant pour moi. Donc du coup voilà un petit peu ce qu'on a. Donc on a conduire comme d'habitude, profil, construire, académie et magasin. Donc comme d'habitude un petit peu, il y a vraiment pas mal de DLC qui sont sortis ces derniers temps. Donc bien évidemment je vais pas les acheter parce que ça coûte beaucoup trop cher. J'ai juste acheté en fait le DLC Marseille-Avignon, comme je vous l'avais dit sur le dernier épisode de Train Simulator. Et je l'ai acheté, donc du coup je vais pouvoir vous le montrer aujourd'hui dans cette découverte. Voilà, donc on va cliquer sur conduire les amis, on va directement attaquer le jeu. Voilà, on va par contre, ouais s'il te plaît, ça bug un petit peu. Donc voilà un petit peu le menu, donc vous voyez c'est exactement pareil, sauf que en fait c'est juste la police un petit peu qui a changé, également les couleurs qui sont, c'est un petit peu plus bleu foncé on va dire, voilà, et c'est un petit peu changé ici, enfin oui c'est un petit peu mieux fait. Alors on va dire que là c'est pareil, ici les médailles sont un petit peu mieux faites également. Bon après voilà, c'est juste ça qui a changé, autrement c'est vraiment exactement pareil. Vous allez voir que quand on va être en jeu c'est exactement vraiment, enfin y a rien qui change en fait, même les graphismes ne changent pas, voilà.
Donc ça c'était pour le petit avertissement que je voulais faire, et c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que tous les ans, on s'attend à quelque chose de mieux, on s'attend à quelque chose de voilà qui nous change complètement le menu ou je sais pas quoi, et ben pas du tout parce qu'en fait c'est toujours le même, voilà, et les graphismes c'est pareil, ça n'a pas changé, mais je vais vous expliquer tout à l'heure un petit truc, il y aura une bêta sur un nouveau jeu de Train Simulator qui va sortir, donc je vais vous l'expliquer tout à l'heure, voilà. Alors on a Quick Drive, Carrière, Standard, Parcours Libre et Workshop, alors ça c'est pour, il me semble que c'est des modes, je crois, Parcours Libre, donc nous on va faire je pense un Quick Drive. Et donc nous on va partir avec le TGV duplex que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Oui, j'ai pas mal de trains et nous le TGV qu'on va conduire ce n'est pas celui-là parce que celui-là c'est un mode que vous pouvez télécharger gratuitement, mais on va conduire bien celui-ci SNCF TGV duplex, ça va être le petit R, ça veut dire, je crois que ça veut dire reconnu il me semble. Je suis pas sûr. Donc on va conduire celui-là et on va conduire un train simple parce que double voilà, enfin c'est à moins qu'on prenne le double, on prend le simple. On va prendre le simple comme ça je vais vous montrer un petit peu et donc voilà, donc on fait confirmer et on va prendre la nouvelle ligne Marseille-Avignon qui est tout fraîchement sortie il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'elle était sortie, il me semble, c'était en août ou en juillet. Que je dise pas de conneries, alors je crois que c'est en août, mais je suis pas vraiment sûr, voilà. Donc c'est cette ligne, et donc on va partir, les amis, on va partir de Avignon, et on va aller jusqu'à Aix-en-Provence, donc quand même 74 km, donc on va évidemment pas tout faire, parce que ça serait un petit peu trop long. On va mettre l'heure au niveau de l'heure, on va mettre, je pense, 14h30, ça me paraît pas mal, dégagé bien évidemment, été, bon on va laisser comme ça, hein, été dégagé, parce que sinon ça va laguer à mort, vu que mon PC est totalement pourri. Voilà, alors oui, j'ai oublié de vous montrer un petit peu les paramètres, donc c'est toujours les mêmes, hein, vous voyez que je suis en intermédiaire, la résolution, je suis bien sûr en 1920, pardon, par 1080, donc la résolution maximum de mon écran, voilà, éclairage dynamique, j'ai enlevé, nuage dynamique, j'ai enlevé aussi, parce que ça fait laguer à mort mon PC, c'est même pas la peine, voilà, au niveau du jeu, on est en commande de train expert, bien sûr, on a activé les scores de carrière, etc., enfin, oui, après, vous lisez un petit peu, au niveau de l'audio, on est pas mal, je pense, parce que j'ai essayé de bien régler le volume pour que ce soit pas trop fort, ni trop bas, donc on va bien voir ce que ça donnera à la vidéo, et je joue bien sûr au souris clavier, enfin au clavier et la souris parce que je n'ai pas de manette Xbox One et je n'ai pas non plus de Ride Driver, hein, le contrôleur dédié au train, tout simplement, voilà, donc sensibilité je pense que c'est bon, outil et crédit, voilà, donc on va direct conduire. Par contre je vais faire une petite pause les amis parce que sinon le temps de chargement est extrêmement long. Voilà, à chaque fois qu'on lance un scénario c'est tout le temps long. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause et je vous retrouve juste après le petit temps de chargement. A tout de suite. Et donc nous voilà les amis à présent directement dans le TGV. Regardez-moi ça, alors c'est magnifique, regardez-moi ça. Le TGV duplex, enfin ça y est, il est sorti depuis le temps que la communauté l'attendait les amis. Alors je suis pas là pour vous montrer le TGV et la ligne aujourd'hui parce qu'on est là pour découvrir le jeu bien évidemment. Mais je voulais vous montrer quand même ce TGV qui est juste magnifique, regardez-moi ça déjà à l'intérieur. Il est juste super bien modélisé. Alors bien évidemment je suis en graphisme faible, donc forcément peut-être que les polices on les voit pas bien, les trucs comme ça on les voit pas bien. L'éclairage également c'est pas activé tout ça dans la cabine parce que sinon ça fait de la gueule à mort tout simplement. Mais regardez-moi ça, le bleu du TGV duplex, c'est un très caractéristique du TGV, avec bien évidemment la très belle cabine, regardez-moi ça, c'est les pédales, le beau siège rouge également avec les petits points, c'est marrant. Et donc voilà. Et on va passer maintenant à l'extérieur du TGV. Alors comme vous pouvez le voir, pardon, l'ATH du jeu n'a absolument pas changé, hein, c'est toujours pareil. Mais regardez-moi ça par contre, le TGV duplex. Alors là il est magnifique, hein, regardez-moi ça. C'est juste super joli. Voilà, on a la gare d'Avignon et c'est extrêmement bien reproduit, c'est extrêmement bien fait. Franchement, bravo à Dovotel Games, pardon, qui a extrêmement bien fait ce TGV. Voilà, donc on va se mettre un petit peu en vue libre, tout simplement pour regarder un petit peu comment est fait ce train. Donc vous voyez que, bon, bah, voilà, hein, c'est le TGV simple, mais sauf qu'il est à deux étages, tout simplement. Voilà. Alors les portes également c'est extrêmement bien fait, regardez on a même les petites, enfin comment ça s'appelle, les numéros de voiture avec la destination. Alors là on va pas à Marseille-Saint-Charles et on va pas à Paris-Gare de Lyon non plus, donc ce n'est pas ça. On a également la composition des trains, donc vous voyez un petit peu c'est vraiment bien fait avec la voie, bon là c'est pas indiqué, je sais pas pourquoi. Mais on a également le train qu'on a, alors là c'est pas un double, donc je sais pas pourquoi ils ont mis un double. Ça doit être une image probablement qu'ils ont appliquée. On a également les repères des voies, tout simplement. Là on est sur la voie 3, apparemment.
On a également, voilà, un bidon TGV SNCF, hein, c'est extrêmement bien fait. Alors, regardez-moi ça, franchement, c'est super beau, quoi. On a les composteurs, les billetteries pour acheter des tickets de TGV, etc. La gare avec les bancs et tout. Non, franchement, c'est super bien fait. Et juste bravo à Donald Games parce que c'est franchement... ils ont fait du bon travail, je trouve. Voilà, également la gare d'Avignon TGV, voilà, très, très bien fait. Bon, alors après, évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai les graphismes au minimum. Donc forcément, ce n'est pas optimal. Voilà, mais en tout cas, c'est plutôt bien fait avec le parking, etc. Donc voilà, on peut pas s'en plaindre. C'est quand même un DLC qui coûte 30€. Parce que là, on va parler un petit peu du DLC également, parce que vu que ça n'a pas trop changé, Train Simulator 2017. Mais voilà, c'est le DLC. Ça coûte 30€. Mais franchement, je vous le conseille parce que c'est un très bon DLC, tout simplement. La ligne est extrêmement bien faite et le TGV a été patché il y a pas très longtemps. Maintenant, il n'y a plus de problème, il n'y a plus les manettes inversées, etc. Donc, franchement, je vous le conseille vraiment. C'est 30€, je vous avoue que c'est cher. Mais une fois que vous l'avez, et ben franchement, vous l'avez à vie, et tout simplement, enfin, vous l'avez à vie. Évidemment, si vous le sauvegardez, parce que si vous un jour votre ordi plante, vous l'aurez plus. Mais franchement, non, voilà, franchement, je vous conseille vraiment. Parce que moi, j'ai mis du temps à l'acheter, parce que je me suis dit, ouais, c'est trop cher et tout. Mais franchement, c'est super beau. Bref, on arrête de parler du TGV maintenant. On va quand même le démarrer un petit peu, parce que voilà. Donc on va regarder un petit peu, les amis, au niveau du menu pause. Alors le menu pause, c'est exactement pareil, il n'y a pas quelque chose qui a changé. C'est pareil, le menu des options, il n'y en a pas plus, c'est exactement pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui a changé, même ici au niveau du scénario, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Même au niveau de la carte, c'est exactement pareil. Honnêtement, c'est ouais, tout est pareil, franchement. Il n'y a vraiment rien qu'à changer. Donc on va se mettre, tout simplement, on va se mettre en mode inverseur avant. On va ouvrir les portes aux passagers. Et je vais vous montrer un petit peu les portes, comment elles s'ouvrent. C'est plutôt vraiment bien fait, regardez-moi ça. Donc là, on est en première classe. Voilà, et c'est vraiment très très bien fait, regardez-moi ça. Quand la porte va se fermer. Enfin, c'est extrêmement, voilà. Vous voyez, la porte se ferme. Donc c'est vraiment, avec le son et tout, c'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, c'est très bien modélisé. Et maintenant, je vais vous montrer la vue passager. Regardez-moi ça, la vue passager, extrêmement bien faite aussi, les amis. Franchement, alors là, je vous fais une petite promotion pour le DLC, hein, mais pardon, excusez-moi, mais franchement, c'est tellement beau. Regardez-moi ça, les prises avec les petites tables, etc., les sièges. On voit encore que c'est le vieux logo, mais c'est pas très grave. Donc vraiment, la vue passager avec les petites lampes, etc. Ici, normalement, ici, il y a des lampes aussi, mais là, je les ai désactivées parce que sinon, ça fait de la gamme mort. Le numéro de la place des voyageurs, etc. Non, franchement, c'est très, très, très bien fait. Voilà, et par contre là il y a un petit bug parce que ça, plusieurs youtubeurs l'ont déjà dit. Ça passe de 34, 35, 34, 34. C'est un petit peu bizarre, voilà, c'est assez particulier. Bref, on s'en fout, on va démarrer. Donc là les portes sont fermées, tout est bon. Donc on va desserrer le frein. Donc le frein qui est ici, ça c'est le frein indépendant, donc on va le relâcher. Le frein indépendant, le frein de train ici. L'accélérateur combiné, tout simplement la poignée de contrôle combinée. Les pantographes qui sont bien sûr en mode normal et LGV, vu qu'on est sur la LGV Marseille-Avignon. L'avertisseur. Voilà, le petit klaxon, c'est magnifique. Ainsi que l'équipement, voilà, un petit peu pour ça. Voilà, on a également ici la petite lampe cabine, mais là qui marche pas parce que j'ai désactivé, parce qu'avec mes graphismes, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Ici on a l'essuie-glace, donc on peut mettre à vitesse 10. Alors ça, je sais pas trop c'est quoi. On a 10, on a 40. Voilà, donc comme ceci, 40 et 60, le maximum qui va assez vite quand même. Voilà un petit peu pour ça. Donc on va mettre à 0 et on peut faire également l'essuie-glace manuel. Donc quand on fait 0, 1, alors là je peux pas vous le montrer. Voilà, ici. Et ben en gros, voilà, vous pouvez manuellement mettre l'essuie-glace. Voilà. Donc on va partir, les amis, on va accélérer tranquillement, on va se mettre à 50%. Voilà, tranquillement. Et vous allez voir que cette ligne est juste magnifique, elle est juste super bien faite. Et franchement, voilà. Donc pour ce qui est de Train Simulator 2017, voilà, comme je vous l'ai dit, la TH c'est pareil, tout est pareil. Donc je peux pas vraiment vous dire ce qui a changé en fait, parce que c'est pareil en fait, voilà. Et c'est franchement, c'est dommage. Voilà, parce que franchement, à chaque fois, chaque année, on s'attend à quelque chose et en fait, c'est toujours pareil. Voilà, donc là, on est limité à 170, donc c'est la TVM, donc c'est la signalisation quand on est à très haute vitesse en fait. La signalisation, pardon, j'ai arrivé à parler, je parle un petit peu trop vite et en plus, je suis assez malade, j'ai mal à la gorge, etc. Donc j'ai un petit peu du mal à parler, donc excusez-moi. Donc on va y arriver quand même. Donc voilà, donc vraiment, cabine très bien faite, etc. Donc oui, voilà, par rapport à Train Simulator 2017, parce que je m'embrouille un petit peu dans tous les sens, c'est vrai, c'est vraiment dommage. Mais par contre, je vais vous parler d'un petit truc, c'est que apparemment, il y aurait un nouveau jeu qui sortira en version bêta en décembre 2016.
un nouveau jeu qui s'appelle Train Sim World. Voilà, alors désolé pour mon accent anglais complètement pourri, voilà, mais c'est vraiment... apparemment ça va être un jeu qui va être extrêmement réaliste au niveau des trains. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un train comme ça, voilà, on roule, et ben là on va vraiment être un conducteur de train, on va vraiment pouvoir être le conducteur de train, c'est-à-dire qu'on aura une vue à la première personne, et ça c'est juste génial. Donc on aura le nouveau moteur graphique, l'Unreal Engine, tout simplement, donc le nouveau moteur graphique de Hotel Games, hein, tout simplement. Donc vraiment, ça va être, je pense que ça va être un assez bon... ça va être plutôt pas mal. Je pense que ça va être vraiment bien comme jeu. Et également, il y aura vraiment beaucoup de nouveaux détails. Et bien évidemment, le nouveau moteur graphique qu'on attend tous, le Unreal Engine, avec des très beaux graphismes à prévoir, je pense. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon jeu. Alors, si vous voulez avoir la bêta, parce que je vous explique un petit peu. Donc ce jeu est disponible en bêta à partir de décembre 2016. Voilà, tout simplement. Donc le jeu ne sera pas sorti en version finale en décembre 2016. Voilà, en décembre. Donc ce sera juste la bêta. Et donc, pour accéder à la bêta, il faudra payer le jeu Train Simulator 2017 Pioneers Edition. Voilà. Désolé pour mon accent anglais, encore une fois. Il faudra donc acheter cette version-là, tout simplement pour pouvoir bénéficier de cette bêta. Sinon, si vous avez eu déjà Train Simulator 2015, 2016, 2014, etc., si vous aviez eu déjà Train Simulator 2016, et il va falloir racheter Train Simulator 2017 Pioneer Edition, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir accès tout simplement à la bêta de Train Sim World. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, et donc voilà un petit peu pour ça, voilà pour ce jeu, parce que je voulais vous en parler, parce qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris comment ça fonctionnait, comment acheter le jeu, etc., comment avoir la bêta. Bien évidemment, il vous faudra un PC Gamer, hein, je le précise, mais ça c'est logique en même temps, pour faire tourner ce jeu, parce que déjà, le Train Simulator 2017 est très gourmand, hein, on peut le dire, voilà, c'est vraiment, ça rame à mort, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et donc, il vous faudra un PC vraiment très puissant, très puissant. Il faudra minimum une carte graphique Nvidia GeForce type, je sais pas, 900, je sais pas quoi là, enfin bon, je m'y connais pas trop, mais bon, voilà, il vous faudra une bonne carte graphique quand même. À ne pas négliger, parce que bien évidemment il faudra aussi de la bonne RAM, c'est-à-dire qu'il faudra au moins 8Go de RAM ou 7Go de RAM pour pouvoir faire tourner ce jeu, parce que vraiment il va être très gourmand. Voilà, on va mettre l'accélérateur à 100% parce que je vois que... Voilà, alors comme vous pouvez le voir, on est sur une ligne bien sûr à 300 km/h, donc c'est extrêmement bien fait, parce que c'est vraiment comme ça, hein, les LGV bien évidemment, hein, c'est comme ça. Donc là ça rame un petit peu, donc forcément on voit pas très bien que ça va à 300 km/h. Je vous montre un petit peu quand le train défile, regardez-moi ça, c'est juste magnifique, hein. Regardez-moi ça, le TGV. Franchement, alors, ça fait depuis je sais pas combien d'années que la communauté française attend un DLC français, et c'est enfin le premier DLC français qui sort par le développeur officiel du jeu. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, tout simplement. Alors par contre, ça rame un petit peu. Alors je précise par contre que la ligne, si vous avez un bon PC normal, la ligne est très bien optimisée. Voilà, cette ligne-là, elle est bien optimisée, donc normalement ça ne devrait pas ramer. C'est quoi, j'ai un PC totalement pourri, donc forcément ça rame. Mais autrement, la ligne est assez bien optimisée. Et je suis assez surpris, parce que d'habitude, les lignes comme ça qui sont à grande vitesse sont pas très très bien optimisées. Et bah là, écoutez, cette ligne-là, elle est très bien optimisée, et tant mieux. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Donc autrement, je voulais vous parler un petit peu de ma chaîne, puisque oui, effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que c'était la rentrée, forcément j'ai repris des cours, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Bien évidemment, c'est logique. Donc forcément, je n'ai pas fait de vidéo pendant un mois et demi, même 2 mois, je sais pas. Ça fait un petit moment. Donc là, je reprends Train Simulator, je reprends toutes les séries. Enfin, je vais essayer du moins, parce que c'est pas garanti. Ce qui est sûr, les amis, c'est qu'il y aura beaucoup moins de vidéos. Ça, par contre, il y en aura beaucoup moins, parce que je n'ai plus le temps de faire une vidéo par semaine. Ça, ce n'est plus possible. Donc ce sera peut-être une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par mois, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura beaucoup moins, tout simplement. Voilà. Par rapport à ça, donc autrement, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux nouvelles intros, parce que bien évidemment, je vous avais mis un sondage, donc je vous remercie d'ailleurs d'y avoir participé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de changer l'intro de DS2, et donc effectivement, je vais changer enfin toutes les intros, toutes les intros des séries, tout simplement. Donc oui, effectivement, vous allez me dire, ah oui, mais t'es bien sûr, enfin, depuis le temps qu'on attend ça. Bah oui, c'est vrai, les amis, parce que ça fait quand même les intros depuis le début de ma chaîne, je crois que je les ai. Ça date un petit peu quand même, hein, voilà. Et donc, il était temps de les changer. Donc effectivement, je vais changer toutes les intros. Donc là, j'ai déjà commencé certaines intros. Il m'en reste plus que 3 ou 4 à faire. Donc
c'est pas très très long, mais je vais essayer de les faire. Et là, ça va être des intros vraiment bien faites, avec des vidéos, de la bonne qualité en 60 fps. Voilà, ça sera vraiment quelque chose de propre. Enfin, je vais essayer, je dis bien, de faire quelque chose de propre. Voilà, quelque chose qui soit vraiment bien fait, parce que sinon c'est nul quoi. Surtout que avec en plus c'était des photos quoi, les intros c'était n'importe quoi hein. C'était des photos en plus d'une très mauvaise qualité hein. C'était n'importe quoi les intros, donc forcément voilà c'était nul quoi. Et donc voilà, donc je vais essayer quand même de faire des intros, bien sûr des vidéos hein, bien évidemment, parce que quand même c'est la base ça. Et bien évidemment de faire de la bonne qualité en 1080p 60 fps. Voilà, c'est quelque chose d'assez propre. Et donc là j'ai déjà commencé certaines intros. Coucou collègue là-bas, coucou. Attendez, on va lui faire un petit coucou. Voilà, j'adore ça. C'est ce que je préfère dans le Transplanteur, c'est quand tu klaxonnes tout le temps. C'est énorme, n'importe quoi. Et donc forcément il était vraiment temps de les changer. Et donc je vais les changer, donc elles sortiront bientôt, donc pendant les vacances. Donc ça arrive à peu près dans une ou deux semaines. Je vais essayer de sortir toutes les intros, donc je vais faire un pack en une vidéo, je vais vous présenter toutes les intros, voilà. Et donc elles seront à partir des nouvelles séries, donc les nouvelles séries qui commenceront, les amis, pour 2017 et pour fin 2016. Ce sera bien évidemment cette série, Train Simulator 2017. Train Simulator 2017 du coup qui sera la suite de la série 2015-2016 que j'avais déjà commencé. Ce sera la suite, donc il n'y aura pas une nouvelle série en plus, ce sera vraiment la suite. TS2 ça continuera, American Truck qui arrive bientôt, je vais essayer d'en faire même si j'ai pas un très bon PC pour le tourner. Il y aura également du Train Simulator 2012, la chronique du cheminot qui continuera bien sûr. Également il me semble il y aura du Farming Simulator 2017. Je vais essayer d'en faire parce que c'est pas un jeu très très gourmand. On va essayer de le faire sur mon PC le plus puissant, hein. Enfin, plus puissant, je dis bien, plus puissant pour ce que j'ai, parce que j'ai deux PC, donc on va essayer de le faire sur le PC qui est le plus puissant au niveau graphique et tout. Et voilà, il y aura toujours Farming Simulator 2013, même si je pense arrêter, je sais pas trop. Et voilà, un petit peu pour les séries qu'il y aura du coup sur la chaîne, sur ma chaîne du coup, voilà, un petit peu pour ce qu'il y aura. Voilà, un petit peu pour ça les amis. Donc en tout cas c'est vraiment pas mal hein. Franchement, regardez la map est plutôt très jolie. On traverse des régions avec des forêts et tout. Attendez, je vais essayer de vous montrer. On va dézoomer, hop. Vous voyez le train, c'est vraiment très bien fait. Et vous voyez les paysages, donc vraiment sont plutôt pas mal. Alors même si là, bon, il y a quelques petits bugs encore de texture, etc. Mais franchement, l'eau, je trouve, elle est assez bien faite. Voilà, c'est pas dégueulasse. Voilà, honnêtement, cette ligne là, c'est une ligne qui vaut 30€, mais c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Alors, mis à part que, effectivement, vous voyez, alors je vais essayer de vous remontrer, par contre, les paysages, voilà, merci. Je vais essayer de vous montrer, mais en fait, vous voyez, les caténaires ne sont pas les caténaires de France, c'est-à-dire que ce sont des caténaires qui viennent de la ligne London to Faversham. Voilà, donc ce n'est pas ce n'est pas des, comment ça s'appelle, des caténaires, je vais y arriver à trouver le mot, bordel. Des caténaires qui sont officiels de... Enfin, c'est pas des caténaires de France, tout simplement. C'est des caténaires qui sont pris d'une autre ligne. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, on s'y fait, hein. C'est pas très, très grave. C'est pareil, les rails, hein, c'est pas les rails officiels, hein. Honnêtement, c'est des rails normales. Normalement, les rails de LGV sont pas comme ça, hein. Voilà, on est d'accord. Mais bon, c'est pas très, très grave. Donc voilà, on va quand même accélérer à 320, parce que c'est limite à 320, ça va très, très vite. Regardez-moi ça quand on a envie... Quand on est en vue passager, ça va extrêmement vite. Et c'est une ligne très agréable à conduire. Vraiment, je vous le conseille. En plus, on peut mettre des modes. Si vous avez des petits modes à mettre, franchement, comme le train Corail, la ligne Marseille-Martigues, etc., c'est vraiment très, très sympathique. Et franchement, c'est une ligne vraiment, vraiment pas mal, quoi. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Enfin, je vous la conseille plutôt. Voilà, un petit peu pour Train Simulator 2017, on n'aura pas vraiment parlé de ce nouveau jeu, à part qu'il y aura pas mal de DLC encore hein, sur ce jeu. Il y en aura quasiment toutes les semaines des DLC, je pense. Hein, ils font toujours des promotions par email, tout ça, ils m'envoient des promotions pour acheter leurs DLC. Par contre, je ne reçois plus de train gratuit, hein, ça c'est dommage. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont arrêté le partenariat. Bon, bah écoutez, tant pis. Donc on essaiera sur cette série de présenter bien évidemment tous les trains qui nous restent à faire. Je vais essayer de présenter des nouvelles DLC qui sortiront, des DLC plutôt pas mal, que je sélectionnerai. Et puis voilà un petit peu pour cet épisode de Train Simulator 2017, la découverte, écoutez. Et bien écoutez les amis, je vais vous laisser voir.
je vais vous laisser là pour cette vidéo, je vais y arriver à parler. Voilà, tout simplement pour Transimulator 2017. Moi je vous retrouverai sûrement sur ETS 2 ou alors peut-être sur Homestead 2, parce que Homestead 2 ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. En plus j'ai plein de nouvelles maps à vous présenter et de nouveaux bus également. Donc on va faire tout ça bien sûr pendant les vacances également. Et je vais essayer de faire pas mal de vidéos. Allez écoutez, moi je vous dis à la prochaine, c'est une installation. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à mettre également un petit commentaire. Allez, moi je vous dis à la prochaine les amis, c'était une installation. Et c'est tout le monde. Allez, salut à tous.